Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue, comme d'habitude. C'est je suis allée chez Action. En fait, mon mari, nous sommes mercredi, donc vous aurez la vidéo ce soir à 17h à peu près. Mon mari devait aller au marché, mais il devait représenter Madame la Mère quelque part, donc il y est allé et finalement, eh bien, il mange avec ses collègues. Donc j'ai toute la matinée, je me suis dit c'est bon, tu vas aller voir chez Action s'il y a les miniatures. Bien évidemment, il n'y avait pas de miniatures, mais j'avais décidé d'acheter. Oui, en ce moment j'ai la fièvre acheteuse. J'ai repassé une commande sur Timou, j'en ai eu pour 140 €. Ouais. Donc je vous montrerai tout ça dans un haul prochain, un unboxing. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez Action. Et donc, j'ai acheté. Je vais commencer par quoi? Par en ordre, parce qu'il y avait en promotion, il y avait ce petit truc de tulipe en silicone. Et je les ai trouvés très réels, on va dire. C'était en promo à 2,99 €. Je vous mettrai les prix, hein, de toute façon. Alors, j'ai essayé déjà de prendre un bouquet rose, des roses pâles, deux, parce que à chaque fois que je vais chez Lidl, alors je vous montre, mais là, ne regardez pas l'état, ça fait une semaine qu'on les a, c'est les tulipes de chez Lidl. Elles sont toujours bien dressées, mais les feuilles sont jaunes, et j'ai l'habitude d'en acheter chez Lidl. Et donc, j'ai dit, bah tiens, comme ça, au moins, j'en aurai un bouquet, une éternam. Et, parce que j'adore les tulipes, j'ai essayé le rose, ça ne me plaisait pas. J'ai essayé deux bouquets de orangé jaune, ça ne me plaisait pas. Les rouges, ça me plaisait, j'ai pris. Et ensuite, je suis arrivée où il y avait les petits vases. Et je n'ai pas trouvé de vase pour deux bouquets. Donc finalement, j'ai changé pour mettre dans ma chambre, à côté de mon Bouddha et à côté peut-être de mon orchidée. Je ne sais pas du tout où ça va aller. J'ai pris ce petit vase, entre guillemets. Et j'ai hésité pendant 8 jours pour savoir si je le prenais fumé ou naturel. Et finalement, bah écoutez, je l'ai pris naturel. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait hyper joli, hyper sympa. Donc là, évidemment, j'enlèverai l'étiquette. Est-ce que ça part? Oui, voilà, ça part facile. Voilà, comme ça, c'est très joli. Moi, je trouve ça super joli. Et donc, bah ça, je crois que ça coûtait 1,39 €. Je ne sais plus combien ça coûtait. Voilà, donc, regardez, on va mettre ça là à côté pour faire joli. Hein, dans l'image, c'est joli. Ensuite, dans les promotions, alors j'avais déjà repéré, j'ai pris les serviettes de table, parce que les serviettes de table, on en trouve très rarement. Plutôt des torchons, des nappes. Et là, ils étaient en promo, je ne sais plus combien, les 4, je vous le marquerai. Alors, il n'y a qu'un seul problème quand j'ai regardé sur le site de chez Action. Ça ne va pas au sèche-linge. C'est parce qu'il y a du lurex, là, je pense. Les petits fils brillants. Donc, c'est des lots de 4. Il y avait plusieurs coloris. Il y avait du jaune, du rouge. Mais moi, j'ai pris une couleur neutre. Et j'en ai pris 2 lots de 4. Ça fait que j'en ai 8. À chaque fois qu'il y a les petits-enfants qui viennent, de toute façon, je me facilite la vie. Et je mets des serviettes en papier joli. Et c'est ce que j'ai fait quand ils sont venus. Et on jette au fur et à mesure, voilà. Et donc là, ben, j'ai pris en tissu, voilà. Donc, ben, écoutez, c'est super. Vous avez le chemin de table à sortir si ça vous intéresse. Ensuite, dans l'ordre, je suis arrivée où d'abord? Là, voilà. Là, je vous garde un truc en dernier. Alors, j'ai acheté une balance. Alors, j'ai pris, il y avait plusieurs imprimés, j'ai pris celle-ci parce que je la trouve sympa. Et je vais vous dire un truc, c'est que je pense que, effectivement, sur les robots, la balance, quand on tape comme ça sur le bol pour vider sa cuillère ou tout ça, eh bien, ça abîme la balance parce que maintenant, ma balance, la tare, elle passe de 5, de 10, de 20, elle revient à 0. Eh bien, j'ai dit, tiens, je vais en prendre une. Pourquoi j'arrive pas à l'enlever? Alors, je vais essayer de vous montrer. Je voulais aller après à Carrefour à Vitrolles, mais j'ai dit allez, les miniatures, je ne les trouverai pas, donc c'est pas la peine.
Voilà, donc du coup, je suis allée poster mon colis, mon retour de chez Temu. Je suis allée le mettre au Mondial Relais. Et voilà. Alors, voyons voir. Alors, il n'y a pas les piles, hein, forcément. Voilà, regardez, elle est toute sympa. Hein? Bon, là, il y a les protections. Bon, c'est encore un truc où je ne vais pas savoir où mettre. Si, je vais le mettre derrière mon robot, je pense. Regardez comme elle est jolie, quoi. Alors, ça va jusqu'à 5 kg, hein, je sens. Donc, pour la cuisine, ça va. Hein, 5 kg, c'est bon. Peut-être que ça me servira aussi pour les colis. Voilà, que je, quand je les poste. Et par contre, je ne sais pas ce qui... Ah, il y a la pile! Ah, il y a la pile! Alors, je tire le petit scotch. Je croyais qu'elle n'était pas incluse. Ben, si. Alors, elle est incluse, la pile. Bon, j'arrive plus à remettre le couvercle. Voilà. Alors, hop. Si je la prends à l'envers, je n'arrive pas à lire. Ontar. Elle ne marche pas. Unité. Ça ne marche pas. Elle ne marche pas. Elle est bloquée. Oh non! Ah, ça y est. Elle marche. Donc, mettons, on va peser mon étui à lunettes. Alors, la tare. Eh ben non. Ah, zéro. Et là, c'est en... J'ai pas mes lunettes. Ben, mes lunettes, elles sont là, je suis bête. Ah, il y en avait une moins chère, il y en avait une plus chère. J'ai fait la part des choses. Alors, zéro, floss, c'est quoi floss? Unit, c'est quoi unit? Milk, ah, mais d'accord. Zéro, c'est-à-dire que là, il n'y a rien. Zéro, il n'y a rien. Il y a l'eau et le lait et la farine. Voilà, moi, je vais prendre sans rien. Alors, j'espère que c'est ça. Tard. J'ai éteint, parce que... On, voilà. Alors, j'attends qu'elle se remette à zéro. 122 grammes. Mon étui fait 122 grammes. Donc, c'est nickel. Je suis très contente. Allez, on met on, off. Je veux off. Alors, elle s'éteint toute seule. Elle s'éteint toute seule. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je trouve ça super. Voilà, ma petite balance. C'est pas la peine que je la rembobine dans le... Comment ça s'appelle? Dans son emballage, puisque je vais m'en servir. Voilà. Ensuite, alors, figurez-vous que j'ai acheté de la nourriture pour chat chez Bas, chez Action. J'ai pris... Alors, je vais vous montrer ce que j'avais pris la première fois, parce que j'en ai repris. J'ai pris ça, les délices du jour. Alors, il n'y a qu'un parfum, c'est donc, enfin, il y a un sachet de deux parfums, il y a au cabillaud et au thon, c'est poisson. Je sais qu'il en existe d'autres, poulet, bœuf ou je ne sais quoi. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé sur Cdiscount, mais pour ce que j'ai pris, c'est-à-dire que j'ai pris... Ah, je ne sais plus. Il y avait des lots de deux comme ça qui coûtaient 4,79€. Donc, ça faisait beaucoup moins cher que chez Action. La livraison était gratuite. Par contre, pour un lot de 12 fois un paquet comme ça, avec un autre parfum, c'était chicken, poulet, enfin, poulet et puis je sais plus quoi. Il y avait 18€ de frais de port quand même. Donc, non, non. Alors, je vous explique. Dès que j'ai commencé à lui donner ça, c'est des petits sachets. Eh bien, écoutez, elle 3-4 fois d'affilée, elle mange. Elle miaule, elle est toute folle. Elle est toute folle. Voilà. Donc, écoutez, là, je crois que ça... Il y a 6 fois 50 grammes. Ça coûte, il me semble, 2,99€. Attendez, j'ai le ticket, là. Parce que je vous mets les prix. Mais là, je veux confirmer. C'est où? Chez Bas, 2,99€, c'est ça. Et vous en avez, donc, 6 paquets. Eh bien, écoutez, c'est beaucoup moins cher que ce que je commande chez Bitiba. Bitiba, c'est les petites barquettes chez Bas. C'est, je ne sais plus combien, 1€ la petite barquette de rien. Là, c'est top et elle l'adore. Là, je viens... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous le montre de suite. J'ai acheté une gamelle comme ça pour elle. Il n'y avait que bleu et noir. Alors, je n'allais pas lui prendre noir, ça fait un peu triste. J'ai dit, je vais prendre bleu comme ses yeux. Bon, ses yeux sont bleus plus clairs. Parce que, en fait, vous savez, j'avais acheté des petites gamelles pour elle, assorties, assorties à ces assiettes-là. Et en fait, quand elle mange, il n'y a pas de rebord sur l'assiette.
Donc ça va le dingue, on est obligé de mettre un essuie-tout et tout. Là, elle vient de manger deux bonnes fois, il n'y avait rien à côté. Donc ça, c'est nickel. Voilà, donc ça, je vous mettrai le prix aussi. Voilà, donc ça, je vous mettrai le prix aussi. Elle adore. Du coup, j'ai voulu tester autre chose, mais dans la même marque, les Sheba, les mini-filets, comme ça. Donc les mini-filets, ça coûte 2,99 aussi. Hop, il y a 4 x 85, donc les paquets sont un petit peu plus gros. C'est des sachets fraîcheur, hein, comme ça. Voilà. Et là, vous avez... C'est marqué où en français? Je sais pas. Vous avez... Au poulet et au bœuf. Au poulet, à l'agneau, au canard et à la dinde. C'est-à-dire qu'il y a 4 sachets avec des saveurs différentes. Elle adore. Elle s'est jetée dessus. Alors, vous avez la petite ouverture facile qui est là. Et en fait, mon mari avait acheté, je ne sais plus où, vous savez, les serres trucs, là. Donc, on le met, ça bloque. Et on met ça dans le frigo. Et après, elle se régale. Voilà. Donc, ça, ben, j'en reprendrai. Hein. Ça nous coûtera moins cher que chez Bitiba. Par contre, Jana ne mange absolument rien de tout ça. Hein. Ça, elle ne mange pas. Elle mange que ses croquettes. Et c'est exprès pour les reins. Et Indra a ça aussi. Mais elle n'est pas malade des reins. Mais elle mange les mêmes, hein, on ne va pas diversifier. Par contre, on diversifie comme ça. Voilà. Donc ça, bah écoutez, franchement, j'ai été épatée. Mais il fallait la voir comme une folle à miauler. Même pas capable d'attendre que j'ai tout sorti dans son assiette, quoi. C'est dingue. Alors là, j'ai terminé. Et j'ai acheté... Alors, j'ai vu ce truc-là au début. C'est un... Ils appellent ça une soupe plat ou une soupe d'assiette. J'ai pris ça. J'ai dit, attends, je ne vais pas en prendre plusieurs pour manger parce que ben, ça va se salir tout de suite. Moi, je ne salis pas, mais même quand vous mettez comme ça, vous posez les couverts. Donc, j'ai dit, j'ai continué un petit peu plus loin et j'ai trouvé ceux-là. Là. Donc, deux différents, hein, la couleur, vous voyez. Et il y avait un miroir aussi avec une sorte de paille autour. Et j'ai dit, tu vas te faire une super décoration en mettant ça au mur. Ça, en essayant de le placer d'une façon que, voilà. Mais, et j'en ai deux petits aussi. Alors, je vais vous les chercher. Voilà, j'ai ces deux petits. Donc, ben, je vais tenter de faire une super déco au mur. C'est très tendance. Et ça va faire hyper joli. Voilà. Donc, ben, moi, je suis bien contente de ça. Je voulais trouver un troisième, mais le miroir, la couleur autour du petit miroir qui était comme ça, hein, c'était une sorte de rotin, ou je sais pas, mais la couleur était beaucoup plus... C'était pas dans les tons de ça, ça aurait tranché. Donc là, j'attends une opportunité de trouver quelque chose. J'irai peut-être faire un tour à Action Vitrole, je ne sais pas. Et donc, voilà, et bien, voilà un petit peu tous mes petits achats. Alors, je vais baisser un peu, pas trop, je voudrais qu'on voit la tulipe quand même. Ça, c'est pour, en fait, la vignette, vous voyez. Voilà, donc là, j'ai le ticket de caisse. J'en ai pour 27,65 €, donc j'ai passé ma carte. Donc, la dernière fois, j'en avais pour 50 et quelques euros, et du coup, ça m'a rien fait pour, vous savez, les trucs à gratter sur la... l'application. Et donc voilà, ça m'a fait une sortie. Il est 11h30, donc je vais aller me mettre en tenue décontractée et puis je vais faire un petit peu de tricotage. Et je suis toute seule, je sais pas ce que je vais manger, je me souviens même plus ce qui était prévu aujourd'hui. Donc je vais aller un petit peu potasser tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit haul de chez Action. Moi, je l'ai trouvé hyper sympa. Pour moi, c'est normal. C'est moi qui ai pris les objets. J'aurais aimé vous présenter des miniatures, mais là, je suis désolée. Et puis alors, vous savez, les miniatures qui elles coûtent 9,99 € ou un truc comme ça, en vente sur Vinted à 27 €. 27 €. Non, mais les gens, ils ont quoi dans la tête? Là, je crois que la dame, elle a baissé à 17. Mais même... Tu les as à 9 €, 10 €, mettons, chez Action, quoi. Enfin, bref, voilà. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il est sorti le plexiglas. J'ai failli m'arrêter à Gadec.
pour acheter encore une plaque. Mais comme j'ai pas encore terminé celle de Céléphant Zels, j'attends d'avoir terminé. Et à ce moment-là, je ferai le cache-poussière et je vous montrerai. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.